da força, da coragem, toda sua energia para a luz que brilha em nós. Saiba que um dia ainda vamos ser heróis. Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, annonce sur Crash Bandicoot numéro 4. On va se faire un live reaction sur le trailer. On va aller se mater ça ensemble. Donc n'hésitez pas à mettre un gros mirail pouce bleu. Je suis un grand friand de Crash Bandicoot. J'ai fait tous les Crash. J'ai joué à tous les Crash. Très clairement, j'ai joué à tous les Crash. J'adore cette licence. Pour moi, c'est une de mes licences préférées des jeux vidéo. Hormis manga et hormis grosse licence vraiment importante. Je la préfère même à Mario. Vraiment, c'est ma licence à moi. C'est Crash Bandicoot. C'est ma grosse licence. C'est ma petite licence à moi qui me fait vraiment plaisir. Et annoncer le 4 maintenant, ça m'a fait vraiment chaud au cœur et vraiment plaisir. Donc, on va aller se mater le trailer. Bah, c'est parti. Let's go! Allez, c'est parti. Oh. Oh. Eh, c'est beau. C'est joli, hein. Oh, il y a l'air d'avoir des... Oh, N de retour. Oh, it... oh, la musique. La musique. For a totally new game. Ah, Crash. Il a l'air différent du Crash de celui de Insane Trilogy, j'ai l'impression. Oh, on a l'air d'avoir des nouveaux pouvoirs. D'accord, on va avoir des nouveaux pouvoirs. Oh, il a l'air monstrueux. Oh, il a l'air d'avoir tellement de monde. Oh, ils sont... Ouais, des dinosaures. Oh, oh, vain dieu. Il a l'air un peu différent, Crash, hein, comparé à celui de Insane Trilogy. Oh, on va pouvoir jouer sa femme. Oh, sauter, sauter. Sa botte. Oh là là, on va retrouver les anciens aussi. Oh, MDR la photo. Trop stylé. Oh, on va pouvoir avoir des nouveaux pouvoirs et tout. Mais ça a l'air magnifique. Mais c'est... Crash. Oh, octobre 2 2020. Oh. Bulbuga. Oh, et en plus on va avoir des nouveaux skins, ça fait plaisir. Oh les gars, mais oh les gars, ces trailers m'a donné la hype. Alors par contre, petit bémol, c'est Crash. Arrêtez de modifier Crash, bordel. Crash, il est pas totalement comme il est là dans le 4. Franchement, le Inside Trilogy était très bien. Pourquoi vous l'avez changé encore et remis un petit peu plus cartoon alors qu'il était très bien en Insane Trilogy? Franchement, vous prenez Crash Insane Trilogy, vous prenez le Crash 4, c'est pas du tout la même personne. On ressent le côté idem du Crash, on ressent le même perso, on ressent vraiment que c'est lui. Mais niveau chara-design de tête et tout, on dirait pas Crash entièrement. Ouais, c'est pas totalement Crash. Il fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je ressens Crash quand tu joues avec lui, quand tu rigoles, quand tu prends des photos, quand tu fais ta star et tout, quand tu fais vraiment le gogol avec lui, c'est vraiment Crash. Mais c'est pas totalement Crash non plus. Il manque le côté du vrai Crash, du premier Crash. Vraiment du... Un peu dans Insane Trilogy, hein. Ils avaient super bien fait Crash Insane Trilogy. Je comprends pas pourquoi dans le 4 ils l'ont un peu modifié. Par contre, ça fait plaisir. On va avoir des nouveaux pouvoirs, un nouveau style de gameplay à avoir avec le jeu. Et ça, et il y a l'air d'avoir énormément de monde. Et je crois que j'ai entrevu un moment où tu jouais avec N. Je sais pas si j'ai mal vu, hein, mais n'hésitez pas à me redire dans l'espace commentaire. Mais je crois qu'il y a un moment où on joue N. On joue vraiment N, le méchant de Crash. Vraiment, si on peut jouer avec le méchant de Crash, c'est un truc magnifique. Vraiment super bien, mais vraiment grave stylé. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, les frérots, moi je vais vous laisser. Grave hype pour le jeu. Je pense que je vais l'avoir day one et je pense qu'on va faire un let's play dessus car le jeu a l'air monstrueusement bien. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir un Crash 4 qui va sortir. Et puis voilà, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Bref, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live et encore une fois, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!